Bonjour à tous, on est dimanche 11 avril, il est 18h14. Je vous prends comme ça spontanément. J'avais très envie de reprendre ma caméra depuis déjà peut-être quelques jours, quelques semaines. En tout cas, ça m'a fait énormément bien cette petite pause. Je pense que vraiment, après les vlogmas où j'ai vraiment filmé en mode autopilote parce que je m'étais promis à moi-même de le faire alors que c'était pas du tout une très bonne période pour moi de le faire, mais voilà, j'ai respecté mes engagements. Et après ça, voilà, j'ai eu besoin d'une petite pause, de revue un peu correctement mes émotions, d'être en accord avec moi-même, enfin tout ça, mais en tout cas aujourd'hui, tout va très très bien, vraiment très très bien. J'ai repris goût à la couture, comme vous voyez là, il y a du bordel, je vais ranger après. Et voilà, plein de belles choses dans ma vie qui sont arrivées depuis cette fameuse pause. Je sais pas combien de temps j'ai pas pris le vlog. Je sais pas, je pense que j'ai peut-être arrêté en janvier, un truc comme ça. Enfin voilà, en tout cas, ce qui m'a donné énormément envie de recommencer, en fait, c'est vos messages, vos commentaires, vos messages privés sur Instagram. Certains m'ont demandé si j'allais bien, si tout allait bien, si j'allais bientôt revenir en vidéo. Et c'est vrai que ces petits messages, ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc voilà, je recommence. Je recommence comme ça spontanément, un dimanche, début de soirée, après la fin d'une couture. Parce qu'effectivement, depuis quelques semaines, là, je m'y remets à fond. Ça me fait très plaisir. En tout cas, je pense que je ferai sûrement un bilan couture prochainement. Parce que là, j'ai quelques pièces à vous montrer. Plein de projets aussi dans ma tête. J'ai commandé plein de tissus et j'ai tellement hâte que ça arrive. Mais je pense qu'à cause du nouveau confinement en France, voilà, mes colis prennent du retard, à mon grand regret. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'avais pas un stock de tissus qui était là et que bon. C'est juste que quand vous voyez des nouvelles choses, ça vous donne envie de nouvelles choses et ainsi de suite. Et du coup, on laisse de côté ce qu'on avait déjà. C'est un peu comme les bouquins. D'ailleurs, niveau lecture, ouais, je pense que ça fait un moment que j'ai pas vraiment plongé dans un bouquin. Mais voilà, comme d'habitude, hein, je passe d'envie, de passion toutes les 2 minutes. Voilà, il y aura plein de choses à vous raconter ces prochains jours. Je pense que je vais continuer à faire un espèce de daily vlog. Vous prendre un petit peu de temps en temps comme ça. Et donc voilà, très contente de reprendre les vidéos. J'en profite pour vous montrer ma dernière couture, qui est presque fini, j'ai juste un bouton à mettre, à poser, mais il faudrait que je l'achète. Donc ce sera fait demain. Donc je me suis fait un pantalon en Vichy rose, rose assez foncé. Je suis hyper fan. Alors c'est un pantalon qui vient, enfin qui, le patron c'est un de chez Make My Lemonade. C'est le pantalon Claude. J'avais un peu peur pour la taille parce que je suis beaucoup plus fine de la taille que des hanches. J'ai des grosses hanches, des grosses cuisses. J'ai quasiment deux tailles de différence entre les deux, donc c'est pas évident, mais j'ai choisi le plus simple. En fait, j'ai pris ma taille de hanche et j'ai posé un élastique dans la ceinture pour resserrer tout ça. Je me suis dit, voilà, comme j'ai quand même tendance un petit peu à bouger au niveau de mon poids, je me dis c'est quand même un peu plus simple de garder une bonne taille et non pardon une bonne hanche et la taille de jouer un peu avec l'élastique. Donc c'est fait, ça a été facile. J'avais très très peur de la pose de la braillette d'un pantalon, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et au final la couture est super bien. J'ai eu vraiment très facile à la mettre, très très étonnée que ce soit si simple. En même temps, c'était un petit peu facilité grâce aux vidéos pas à pas qu'a fait Make My Lemonade sur YouTube. Vous retrouvez quasiment tous les patrons en vidéo et ça aide beaucoup. Je suis très contente du rendu de ce pantalon Claude. Justement, c'est fait pour les tailles marquées et ça part plus ample. Et vraiment, j'adore. Petit pantalon pour l'été. Je suis très contente. Je vous ai posé dans mon coin couture et donc on va parler couture et surtout futurs projets.
Dans ces prochains jours, j'ai l'intention de me faire un sac. J'ai acheté ce fermoir sur Amazon. Vraiment, il est magnifique. J'adore ce côté très rétro, un peu bronze. Et ça coûtait vraiment pas cher. Je crois que c'était 7 ou 8 euros. J'en ai vu en magasin, mais je l'ai trouvé très cheap. C'était argenté, mais vraiment, ça faisait cacaille. Ah, j'aimais pas du tout. Même si, en soi, ça doit être sûrement la même chose. Mais je trouve que ça rend mieux. J'ai même trouvé les petits crochets pour la lanière. Et je compte me faire ce sac avec les chutes de mon manteau blanc et noir à carreaux. Le fameux manteau que j'ai commencé en décembre, que je m'étais totalement loupée, que j'avais dû racheter du tissu. Donc c'est pour ça. Il me reste énormément de chutes. Et je me dis que même si je me trompe, j'ai de quoi recommencer, hein. Je vais essayer de rentabiliser ce tissu. Peut-être qu'un jour je me ferai une jupe avec. Je ne sais pas encore, c'est quand même un tissu assez épais qui tient vraiment chaud. Quand je mets mon manteau, vraiment, j'ai bien chaud. Donc on verra ce que ça donne, hein. C'est quand même une nouvelle aventure puisque je n'ai pas le patron. Et c'est ça qui me challenge un petit peu en ce moment. Ouais, ça m'emballe assez bien de faire ça. Peut-être que je commencerai avec des chutes de tissu dont je ne sais plus vraiment quoi faire et voir comment ça rend. Après, je suis pas une grande fan d'essayer de faire des toiles. J'ai vu sur YouTube, il y a énormément de meufs qui cousent, qui aiment bien faire des toiles avec un tissu vraiment bas de gamme pour dire de créer le vêtement, de l'ajuster correctement avant de couper dans leur beau tissu. C'est super hein, de faire ça. Mais moi, vraiment, c'est hors de question que je fasse ça. J'aurais l'impression de mettre deux fois plus de temps pour me créer un vêtement et ça ne me va pas du tout parce que la couture effectivement maintenant c'est devenu vraiment une passion, une obsession même. J'y pense tout le temps, je pense toujours à quel habit je pourrais faire, avec quel tissu, comment ça va rendre, comment je vais l'accessoiriser. Enfin, c'est vraiment devenu un hobby, un passe-temps et je trouve que c'est tellement satisfaisant à la fin. De s'être fait un vêtement, en fait, de s'être fait un auto-cadeau. En fait, moi, je le vois vraiment comme ça. À chaque fois, à la fin, je suis super contente. Après, il y a des fois, il y a des patrons qui nous vont pas. Par exemple, cette robe chemise que j'ai fait en janvier, je crois, elle est toujours accrochée depuis ce moment-là. Mais ça ne me va pas du tout. Moi, j'ai une forme. Plus ou moins H, où je suis plus fine de la taille et plus grosse en bas. Et donc ça me va pas du tout. Et faut que je la modifie en vraie chemise et ça ira. Mais voilà, de temps en temps, il y a des ratés. Mais tout ça pour dire que voilà, nouveau projet en cours, ça va être le sac. Surtout que je suis hyper fan, moi, de ces sacs un peu vintage et qui font très chic et classique. Alors moi, j'ai mon sac à main, c'est celui-là. C'est la marque Tammy et Benjamin. Oui, je mets un peu trop de trucs dedans, hein, ça déforme le cuir, c'est pas le bon plan. Mais voilà, j'en ai déjà plusieurs comme ça. Et je suis super fan. Enfin, c'est classique, un peu rétro, tout ce que j'aime. C'est assez original, c'est assez atypique, on n'en voit pas partout. Donc, ouais, futur projet. Bon, après, j'ai d'autres projets. Hein. En ce moment, je m'amuse beaucoup à imprimer plein de patrons. En PDF, de remettre les feuilles en place, de couper déjà ma taille et de comme ça déjà préparer le patron. Et pour quand je reçois du tissu, bah, je n'ai plus qu'à. Mais bon, à cause du confinement en France, je pense que j'ai des colis qui sont en retard. C'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'avais pas plein de tissus qui m'attendaient. Mais voilà, donc les futurs projets, ça va être ça. Enfin. Pour le moment, je ne sais même pas si je vais faire ça cette semaine. Parce que si je reçois mes tissus que j'ai commandés, je vais craquer. J'ai tellement hâte de les avoir. Et alors, c'est bien parce que comme en ce moment, il commence à faire un peu plus bon. Enfin, en fait, la semaine passée, on a eu 25 degrés et puis on a eu de la neige. Mais bon, le printemps arrive. Et donc, c'est vrai que j'ai très envie de me coudre des robes, des combinaisons. Là, j'ai commencé les pantalons et je suis très contente du résultat. Donc, à mon avis, je vais vouloir poursuivre. Et je suis contente d'avoir commencé avec un tissu comme ça, en coton, très simple. Les raccords sont pas waouh, mais ça passe. Je suis contente. Donc, je pourrais m'attaquer à des trucs peut-être un peu plus compliqués. C'est vrai que j'ai quand même l'habitude de toujours coudre des tissus assez faciles.
J'ai pas encore cousu du jersey. Je vois que sur YouTube, il y a énormément de meufs qui adorent coudre le jersey. Et moi, c'est une matière qui ne m'attire pas du tout. C'est parce que c'est une matière qui est un peu... Comme elle est stretch, elle colle. Et moi, je déteste tout ce qui colle à la peau. Enfin, j'aime bien les tissus qui tombent droit. Donc, c'est vrai que je couds énormément de coton ou de viscose. Enfin, c'est vrai que la viscose, c'est tellement beau. Ça... C'est un peu comme un voile. Ça vole. Ça fait... On peut faire des grandes robes avec beaucoup de volume. J'adore ça. Mais bon, voilà. Les futurs projets, ça va être ouais, des robes, des chemises. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Voilà. En ce moment, c'est je parle et je vis couture. Je suis désolée. Il y aura. Je ne vais pas sûrement vous parler beaucoup de films ni séries parce que je pense que je n'ai plus allumé Netflix depuis un moment. Mais bon voilà, il faudrait que de temps en temps je me calme et que je pense à autre chose que la couture. Mais c'est très difficile en ce moment et ça fait déjà 6 minutes que je parle de ça. Donc je vais m'arrêter là. Et voilà, je vous reprends au fil de la semaine. Comme au bon vieux temps. Un petit café en rentrant. Ah, j'ai oublié de mélanger, vous voyez la différence, le lait, le café. Je vais chercher une cuillère. Je me suis pris ma cuillère et au passage, une meringue. Hier? Non, hier? Non. Samedi. Ma maman a fait de la crème brûlée et fatalement, il faut beaucoup de jaune d'œuf. Et du coup, elle a gardé les blancs et j'ai fait de la meringue. C'est la première fois. Il y en a, elles sont un peu ratées et il y en a, elles ont été bien cuites. Voilà, ce sera mon petit 5 heures du jour. Bon, je finis ma meringue. Mais sinon, je vous ai posé là pour faire un unboxing qui va prendre une plombe. C'est un magazine de Fibre Mood, donc un magazine de couture. C'est déjà un plus ancien celui-là, le numéro 9. Il y a quelques patrons qui me tentaient bien. Et en fait, sur le site de Fibre Mood, on peut acheter les patrons en PDF. Mais franchement, vu le prix. Enfin, c'est pas très cher, je crois que c'est 7,50€. Si on en prend 5, c'est 20€. Mais en fait, ça vaut plus le coup d'acheter le magazine qui a 12€ et il y a une vingtaine de patrons. Donc, je sais qu'il y avait un patron de chemise qui me tentait bien, notamment deux chemises. Ah oui, il y a un beau pantalon aussi. Une belle petite robe. Enfin, voilà, il y avait plusieurs patrons qui me tentaient dans ce magazine-là et je trouvais ça beaucoup plus rentable. Je les ai faites un peu moins sucrées que normalement. Normalement, c'est. Le double de sucre que des blancs d'œufs. Mais au fur et à mesure que je battais les œufs, je me suis dit, je vais pas tout mettre. Mais au final, j'ai bien fait, c'est beau. Vous allez voir la transition entre la meringue et ceci, quand je vais vous raconter. Vous allez faire, ouais, bien sûr que tu vas le faire, c'est sûr. Je me suis commandé un tapis. Bon, c'est un tapis de yoga, mais. En fait, peu importe. Moi, je l'ai acheté vraiment pour faire du sport. Parce que, il y a quelques années, j'avais acheté un tapis chez Decathlon. Et sûrement que j'ai pris vraiment un bas de gamme. Et vraiment que c'est du bas de gamme. Il se réenroule, il glisse, il tient pas sur place. Et en fait, j'ai jamais envie de faire de la gymnastique ou en fait des vidéos sur YouTube. C'est vraiment ça que j'aimerais bien faire, c'est reprendre un peu de sport et faire des vidéos sur YouTube. En ce moment, il y a la 7e édition de bikini avec Sissi, de Sissi Mua. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Mais je sais que mon tapis, vraiment, je suis mal mise dedans et j'ai jamais envie de le prendre à cause de ça. Donc je me suis dit, je vais m'acheter un bon tapis qui reste bien, bien à plat, qui tient bien au sol, qui glisse pas, tout ça, pour maigrir. Hein, et donc je vais arrêter aussi la meringue. Alors j'ai pris le tapis intense. C'était surtout qu'il était plus épais et donc plus lourd. Ouais, il fait quand même 2,5 kg. Mais au moins, il bougera pas. Et je sais que moi, j'ai pris un effet un peu... comment marbre. Marbre rose, gold, comme ça. C'était celui qui me plaisait le plus. Et je sais que celui-là était en collaboration avec une youtubeuse qui fait du yoga. Mais enfin, je l'ai pris parce que vraiment, il est beau. Et c'est vrai que la matière est... Et douce, on dirait un peu comme de la suédine. Vraiment très très beau tapis. Donc voilà, je n'ai plus d'excuses maintenant. Je vais finir ma meringue et me remettre au sport.
Regardez ça comme il est beau. Il est grand. Et vraiment, c'est comme je vous disais, hein, il est lourd et antidérapant. Super doux au toucher. Super. Et là-bas en bas, il y a le nom justement de la youtubeuse que je vous disais. C'est Safia Ayad. Je la suis pas du tout, je la connais pas du tout. Enfin, je vois c'est qui, mais j'ai jamais suivi sa chaîne. Mais vraiment, il est très très beau. Toujours vous prendre dans le coin couture. Bon, il y a la télé qui fonctionne. Je regarde une vidéo d'Amixem, mais j'ai du mal à me concentrer sur ce que je vais faire. Je vais recopier un patron. Je vais faire une chemise assez simple. C'était surtout pour ça que j'avais acheté ce magazine, hein, le nouveau de tout à l'heure. Je vais le recopier. Je vais déjà faire avec mes marges de couture. Tout ça. Comme ça sera prêt quand je recevrai mes tissus. J'essaye de prendre de l'avance comme ça, parce que moi c'est une partie que j'aime pas du tout, hein, recopier les patrons, je préfère couper dedans et y aller plus vite, mais bon, c'est un magazine et je ne peux pas. Et en fait, je me base en même temps sur une chemise que j'ai achetée chez New Look il y a des années, enfin il y a des années, peut-être un an ou deux max, et comme ça je me base un peu sur cette chemise pour bien regarder les mesures, et ça va, la taille je crois que c'est bon, je vais la rallonger un petit peu par rapport au patron là, je pense que ça va aller, voilà. Regardez-moi ce petit repassin, des pleurotes, des pois chiches grillés, des carottes, des brocolis, et une aubergine et une cuisse de poulet. Ah, ça commence, ça compense de la meringue de tout à l'heure. C'est compliqué de remanger ça. J'ai un petit goût de trop peu, enfin surtout j'ai une envie de boire un verre de coca, ça c'est vraiment mon péché mignon, moi c'est les sodas et le coca. Mais je me force, dans une semaine ça ira mieux, c'est juste l'addiction au sucre. Donc je vais poursuivre ma soirée à recopier mes patrons et voilà. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai commandé donc sur ma petite mercerie une popeline de coton rose avec des espèces de fleurs rouges. Il y a des minuscules petits pois blancs. J'ai une obsession pour le rouge et le rose associé. Là j'ai trop envie de me refaire une salopette rouge. Et j'ai acheté ce velours ocre moutarde. J'ai très envie de faire des coussins, ça y est, je vais me mettre aux accessoires, alors que vraiment c'est quelque chose qui m'attirait pas plus que ça, mais j'ai plein de chutes de tissus vraiment hyper petites que vraiment je ne saurais rien en faire, et je me suis dit je vais me commander un beau tissu pour faire des coussins et mettre toutes ces chutes. Je sais pas combien j'ai pris, j'ai dû prendre peut-être 50 cm pour faire deux coussins. Je vais essayer de les faire ronds, on verra bien si j'y arrive, mais bon normalement ça n'a pas l'air si compliqué, et j'aime vraiment bien le rendu, je vais y arriver. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, le velours. J'ai un canapé vert velours, j'ai des coussins roses velours. J'espère que dans quelques années j'en serai pas lassée, parce que ça bouge, hein, la mode, et surtout le velours, il y a quelques années, vraiment, moi, je pouvais pas le voir en peinture. Et depuis quelques temps, vraiment, je trouve ça sublime. Donc, on verra comment ça évolue. Et donc, avec ce tissu-là, je vais faire cette chemise de Fibre Mood. C'est la chemise Paulette, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Même en tissu ligne bleue comme ça, je la trouve sublime. Mais j'ai déjà des chemises comme ça, donc je me suis dit il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et ouais. Donc je pense que cette semaine finalement je vais peut-être pas faire le sac. Parce que en fait j'avais déjà préparé le patron, j'ai plus qu'à en fait le repasser et découper mes pièces. J'avais déjà décalqué le patron en prévision. Peut-être que je vais faire ça, mais je crois qu'aujourd'hui je vais écouter mon petit corps qui est fatigué, qui a juste qu'une envie, c'est de souper et de me mettre dans mon canapé et regarder un truc, parce que ça fait longtemps quand même que je me suis posée sur Netflix. Et là j'ai commencé l'émission Next in Fashion, voilà une émission avec des stylistes, des modélistes, et c'est cool, ça donne des idées, ça fait rêver. J'en suis pas du tout au stade de me dire je vais patronner. Mais il y a des jours où je me dis vraiment j'aimerais bien m'y mettre. Donc voilà.
Il faut que j'arrive à ne pas dire donc voilà à chaque fin de séquence parce que je pense que là il y en a déjà pas mal. Avec la magie du montage, on a l'impression que c'est juste la séquence d'après, mais non, j'ai déjà soupé, je suis en train de regarder Next in Fashion et du coup je me suis rappelé que j'avais été en mercerie hier, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors voilà de la doublure un peu fuchsia violet comme ça. Et en fait, je l'ai acheté pour aller avec ce tissu. Oh, c'est quasiment la même chose. Bon, non. On va dire que ça, c'est un peu plus rose et ça, c'est violet. J'ai acheté. Ça rend pas pareil, j'ai l'impression. J'ai acheté ce grand métrage hein, de tissu violet en crêpe, comme ça, assez fine. J'ai très envie de me faire une combinaison pour l'été. Donc, ça, c'est dans futur projet. Du coup, j'ai pris une fermeture. Invisible pour aller avec et je trouve que j'ai pris trois couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes. Bon, c'est quand même un peu difficile de trouver exactement les mêmes couleurs, mais bon, on verra que si je la coupe bien, on verra que le petit truc là. Et ensuite, ben, j'ai repris un fil blanc et alors j'ai pris du fil noir cordonné parce que donc je me suis renseignée pour mon sac et. Je vais y arriver. En fait, pour passer un fil dans tous ces petits trous, il faut quand même un fil plus épais. Et donc, on m'a conseillé ça et je pense que ça ira. Et donc, j'ai pris une agrafe, un crochet pour terminer mon pantalon. Et à mon avis, je vais le faire à la main, peut-être en regardant Netflix. Et voilà. Ce sera tout pour ce soir et pour ce vlog parce que je pense qu'il a déjà bien duré vu que ça faisait un petit moment que je vous avais pas pris. Du coup, je papote, je papote, je papote et ça ne s'arrête pas. Écoutez, ben voilà pour ce petit retour et ben on se dit à très vite. Salut!